On va s'amuser, les mecs. On va s'enjailler, les mecs. Dranol est un sapin de Noël, les mecs. Round 1. Et rangez vos mines boudeuses, rangez vos discours de rageux. C'est la sapin mobile. C'est la sapin mobile. Parce que pour Noël, vous appelez le sapin comme jamais. Un swag à toute épreuve, le sapin comme jamais. Moi, c'est ce qu'on me dit en général quand je refais ma chambre. Alors, sapin comme jamais. T'es con. Le roi de la blague. Le roi Merlin, moi, vu tout le bricolage. Tu n'es vraiment pas très sympa. Sois pas jaloux de mon humour, Cavadam Smic. Je sais pas. Il y a Smic dans Cavadam. Dans l'humour de Cavadam, c'est Smic. Dropper le mic. Enfin, pas le mic parce qu'on n'a pas les moyens, mais dropper le coton-tige. Dropper le vent. Drop the wind. Mais ça m'en vient pas. Azus ou Acer. Peut-être. Joli. De quoi? Nos rages. Le mec il a ragi, il m'est rentré dedans. Bon, une fois que ça t'arrive. Tu dis quoi? Rien. On m'appelle. Ah. Qu'est-ce qu'il y a for the players? Je réponds. Merde, non, ils vont marquer. Allô. D'accord, super. Ok, bisous. Bah, rien. Oui. Vous m'appelez, là, je suis occupé, je suis en train de jouer un petit peu à Rocket League, et... Non, franchement, c'est pas que j'aime pas, c'est pas que je vous aime pas, mais je vous aime pas, en fait. Comment? Vous êtes un peu relou sur les bords, oui. Et voilà, enfin... J'ai marqué un de ces oui, buts. Bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. Ouais, d'accord. Ouais, ouais. Ouais. Venez. Gros bisous, on se voit bientôt. Allez. T'es sérieux toi? Qu'est-ce qu'il y a? Il a fait flux. Il était mort de rire. J'entendais que de... J'ai rien compris ce qu'ils m'ont dit. T'as trop vite trop dit. On a le cancer. Et toi t'es là, ouais ouais super. Comment? Non j'ai compris comment ce qu'ils m'ont dit. Mais... Ah, heureusement, parce que c'est vrai que si t'ont balancé une grosse vacherie et que toi t'as balancé, ouais, ouais, super! C'est trop bien, les mecs, c'est trop fun! C'est trop fun! Je parle, il y a pas! Il est parti se bourrer la gueule avec son amant. Et son amante? Son amante à l'eau! À l'huile! Là, elle était qualifiée la blague. T'étais pas rentrée. Non, elle était pas qualifiée, elle est encore plus pourrie que la mienne. Ah si elle rentre celle-là. Attends, par contre c'est le skill qui est rentré chez lui. Clairement. Eh hey, mais Théma, je prends le ballon et là il y a un mec qui hey, mais Théma. Le mec il parle comme un jeune. Eh hey. Emma. Imagine le jeune qui dit hey, Matt. Et là t'as un podcast qui arrive. Ou hémateux. Ou hématome. Hématome de sa voix. Pardon. Tu démissionnes d'Ecdiv tout de suite ou comment on fait? Mon dieu. D'un côté on joue contre une équipe FR, t'as vu? On pouvait rien faire contre l'équipe FR. Équipe FR? Bah regarde, FR Mephisto contre FR Mephizo. On affrontait des mecs trop forts, tu vois. C'est le même pseudo, les coups. Et t'as vu la différence de pseudo entre les deux? Il y a un T. Il y en a un qui a un T et l'autre qui... Il y en a un qui est majuscule au R et pas l'autre. Mephisto, c'est pas un méchant dans je sais pas quel Marvel ou DC, je m'en bats les couilles. Si, je crois. Je crois qu'il s'appelait je m'en bats les couilles, lui, c'était le méchant. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Et écoute, je m'en bats les couilles. Je suis Superman. Est-ce que tu dis je m'en bats les couilles? Blague ultra prévisible.
Et là, normalement, tu fais un cliffhanger à voir dans Suicide Squad 2. Tu t'es jeté à corps perdu dans le but, en espérant rattraper le ballon. Ouais, parce qu'elle était pour moi. Regarde ça. Oui, le ballon. Ah oui, il a pris en arrière. Il l'a pris en arrière. Il a retourné, il lui a fait la totale. Tout ça gratuitement. Ah, c'est à toi, Tonyon. Sauce blanche. De quoi tu te crois que je parlais? Sauce blanche, tomate oignon. J'ai une attaque de Pokémon. T'imagines le Pokémon de kebab? Attaque salade, attaque tomate, attaque oignon, attaque sauce blanche. Sécrétion, sécrétion. Oh merde, c'est ma faute, c'est ma faute. Je t'ai confondu avec le ballon, excuse-moi, c'est à cause de ta grosse tête. Si t'es fan des. Ah merde, c'est pour moi. Mais qu'est-ce que c'est? Ah tu vois, j'ai pas fait exprès pour m'y jouer. J'adore, en fait, c'est juste que visuellement c'est tellement ridicule que ça me fait rire. Regarde, non, ça. Non, mais t'es magique. Non. Oh joli. ton gros cul a arrêté le ballon. Fais-moi Kim Kardashian. Punchline de la journée. Ça va encore. Ouais, ça va, on se fait prendre 3, mais... Écoute. Maman est près de toi. Faut lui dire, maman, c'est quelqu'un pour toi. Ah, c'est le monsieur de la dernière fois. Surtout que quand j'étais petit, cette chanson là de Claude François, qui parle de divorce et tout, j'étais persuadé qu'elle parlait de pédophilie en fait au début. Le mec il va YOLO. Claude François, non, mais un des plus grands artistes français de tous les temps. Pédophilie. Non mais quand le monsieur il fait ah c'est le monsieur de la dernière fois, excuse-moi, ça m'a toujours paru ouf. J'avoue. Non, elle serait rentrée, elle aurait été magique. Putain, je suis arrivé juste trop tard. Et moi, je suis arrivé juste à temps pour sauver la balle. Hein. Oui, mais bah, c'est bien. Tu veux un sucre? Ouais. Je veux du chocolat. Donne la pâte. Oh, oui, donne la pâte. Scooby-Dooby-Doo. Enlève tes culottes. Putain, cette balle tellement bien cadrée, quoi. C'est les viewers qui se pilotent. Best compte aux tiges, c'est moi qui dirige. Ok, meilleure phrase pour draguer tous les temps. Best ton sorti, c'est moi qui conduis. Baisse la sortie là. Elle est trop bien. C'est pas ouf. Hein. Arrête, c'est pas ouf parce que t'en as jamais vu de sortie. C'est quoi en fait? Ah, c'est quoi un sorti pour toi? Je sais pas, j'ai dit ça mais j'en sais rien. C'est quoi, c'est pas un petit short? Et théologiquement, si. Comme un genie, c'est un petit jean. Et un pouli, c'est un petit pull. Non, un genie, c'est le même Harry Potter, c'est pareil. Ouais, c'est ça en fait. C'est comme un caleçon, okay, mais pour les femmes. Google. Quoi. Non, c'est un caleçon pour les femmes en fait. Ok, Google. Ok, Google. Ok, ta gueule. Google, je te baise. Ça si marche. Siri, il va peut-être se vexer si tu appelles Siri. Siri. Vas-y, fonce. J'allais t'appeler Pucelle, mais je sais pas pourquoi. Jeanne, sors de ce corps. Jeanne, histoire d'amour, espoir, espoir. Le générique était trop bien. Ça m'a fait faire des cauchemars tellement c'est gnangnang. C'est tellement. Moi j'aimais bien. C'est tellement guimauve que ça m'a donné le diabète. Oui, moi aussi, mais je vais bien. Le diabète, c'est cool. Enfin, une campagne de prévention avec un mec en train de se manger les crottes de nez. Le diabète, c'est cool. Je m'auto-alimente en sucre. Dès que je perds des calories, je me suce. Ah si, je fais le plein de vitamine C. Moi je vais juste leur rendre leur monnaie de la pièce. La monnaie de leur pièce. Je te rends la pièce. Ouais, on rend la pièce et en plus. Je te rends la pièce. Tiens, t'as acheté une baguette à 1€ et tu m'as donné 1,10€, je te rends la monnaie. Je te rends la pièce, ça va plus vite. Je te rends la pièce. Je te vois trop apporter une pièce comme ça. Excusez-moi, vous l'aviez laissée chez au magasin. Je vous la rapporte.
D'ailleurs, c'est comme la fois où je vais chercher une baguette avec un billet de 10 parce que j'avais pas d'argent. J'achète ma baguette. Et la boulangère, elle me rend 26,50€, tu vois. Et moi, je ressors sans tilter sur le coup. Mais sur le coup, c'est que je suis Thomas, puis je croise ma grand-mère, je lui parle, et elle me fait, mais tu fais quoi avec tout cet argent si t'entends de la boulangerie? Et puis je fais, bah j'ai donné 10€ pour une baguette à 1€, et il me reste 26,50€. Quoi? Et j'y suis retourné, et je te promets que la boulangère, elle a jamais voulu me croire quand je lui disais qu'elle m'avait rendu 26,50€. Au bout de 5 minutes de discussion, je suis quand même ressorti avec mes 26,50€ que j'ai claqué dans un jeu vidéo à l'époque. 26,50€, mais comment c'est possible? Oui, c'est ça, c'est comment c'est possible, mais je te jure, c'est une histoire vraie. Y'a aucune logique. C'est une histoire vraie, je te promets. Là, t'as payé deux billets bleus différents et 1,50€. Ah non, mais trop balèze pour nous, tu vois. Et une pièce d'1,50€. Par contre, j'ai un verre un peu plus dégueulasse que toi. J'ai un verre Fukushima. Verre radioactif, ouais. Verre radioactif. Bonjour, je suis l'élu. Putain, ouais, t'es grave l'élu, mec. T'as retiré l'épée du rocher, toi. Oh, t'as retiré l'épée du Ferrero Rocher. Ouais, c'est plutôt moi. J'ai mangé l'épée en même temps, mais... L'épée du Ferrero Rocher. Le mec, il arrive près de l'épée, il fait... ça a l'air bon, truc. Oh, une épée. Le Picasso est éternel, il vit dans nos cœurs, en cubique. Il vit dans Minecraft. Il vit dans le t'imagines plus tard des, jeux, des t'imagines plus tard des enfants qui diront que Picasso il a fait Minecraft parce que c'est du cubisme. Tiens mec, je tiens une idée. Mais les mecs tu leur montres Guernica et ils font qu'est-ce qui a fait ça? Bah c'est Noche. Noche. C'est Marcus Persson. Ça c'est quand il faisait des essais pour Minecraft. C'est des images de la bêta. Oh putain, c'est taré mon gars. Non, de l'alpha parce que la bêta elle a duré 10 ans. Oui, en plus. Ouais.